Voilà, quand vous entendez des Omicron, ben ça veut dire que la live commence. Et donc ça veut dire bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bonsoir, bonsoir. Alors, il y a qui là? Je vois qu'il y a du beau monde. Bonsoir Geeky Pie Dada, qui va prendre du thé pour ne pas s'endormir. Mais écoute, on est avec toi dans cette épreuve. On espère que ça va aller. Bonsoir Véronica, oui je suis en retard, je suis désolé. Voilà, le live de Will à côté m'a un petit peu distrait. Hein, j'avoue que la petite spécificité ce soir avec Mikael, ou Miguel, ou tous les pseudos que vous voulez, c'est plus difficile à l'oral de mal prononcer son pseudo quand même. Voilà, bonsoir Diana, ça va bien? Bonsoir, il y avait qui encore? Bonsoir Vibroski et Céline, la table avec la frite. Voilà, vous vous ensemble, hein. Ce racisme. Bonsoir Sherlock Fangirl et... J'ai vu tout à l'heure, j'ai oublié Parton. Et bonsoir Agatha Nels. Je l'ai bien dit? Ouais, tiens, je l'ai bien dit, et Agatha Nels. C'est de moi que vous parlez? Ça se pourrait bien. Bon! Tes cheveux enfin libres, je vais te niquer. Mais non, je vous aime les belles, vous savez en plus, hein. Et toi, ça va? Bon, bah, moule. Ah oui, c'est vrai, c'est... oui, bah oui, Geeky. Forcément, les bah, moule. Moi, ça va, merci. Bon, on va reprendre le jeu dans les magnifiques conditions qu'on l'a laissé, c'est-à-dire on va reprendre le vieux corps pourrave de la dernière fois que le jeu m'a obligé à prendre. Et je me suis renseigné, il n'y a pas de possibilité, en fait, de passer outre. On est obligé de se prendre le vieux corps qui pue. C'est complètement con, parce que... Bah juste avant, j'avais fait ce qu'il fallait pour faire un corps de tueur et tout ça, et le jeu vous oblige à le lâcher, c'est juste pas possible. Moi aussi, je t'aime, papa. Non, merci. C'est tellement beau, on se retrouve avec Céline. Ah oui, vous avez vu aussi, je pense que quelques-uns ont remarqué le petit changement avec Tibias, effectivement, là, en dessous. Vous voyez, celui qui vous regarde, mais pas directement dans les yeux. Il a un regard un peu faucheton. Oui, que j'ai pixelisé, je l'ai rétroisé, je trouve ça plus joli comme ça. Voilà. Tibias, c'est tel qu'il aurait toujours dû être, en fait. Donc voilà, son petit look est définitif cette fois-ci. Allez, c'est parti! On appuie sur la touche Start, punaise, j'ai tellement pas envie de revenir sur ce jeu. Si vous saviez en plus le programme de fou que je vais faire pour la suite, on va passer sur le Crash, ça vous plaît, hein, le dernier épisode de Crash, s'il vous plaît, quoi. Avec Crash Bandicoot 3, ensuite il y aura du... qu'est-ce que j'ai prévu après? Il y aura du Project Zero, le prochain qui va sortir, là, la prêtresse des eaux noires, je sais pas quoi. Il y aura du Tearaway, qui est génial, et un jeu avec lequel je vais pouvoir participer avec vous, c'est-à-dire ça va être un petit peu interactif. Tearaway est un jeu où on peut un petit peu modeler le monde à sa façon, et c'est vous qui déciderez. Alors je sais pas comment ça va se passer, hein, pour que je puisse décider de qui me dicte ce que je dois faire. On parle de Project Zero, bonsoir Mademoiselle Etis, on parle de Project Zero, qui va bientôt sortir, donc va bien falloir que je le fasse. Pitié, pas Crash. Monsieur Crash, allez, on a supporté les deux premiers, j'y arriverai avec le troisième. Tu sais que je vais sûrement abandonner, mais non, ça dure pas longtemps. Le 2 a duré encore deux fois moins de temps que le durait le premier. Et ce personnage est vraiment bizarre, c'est vrai que la dernière fois on m'a dit qu'il avait, enfin, qu'il donnait l'impression d'avoir le cul à l'air. Et puis, punaise, c'est vrai, il a le cul à l'air, mais il a son haut qui est mal mis, voilà. Ça coince au niveau des hanches. Et tu vas faire Pikmin 3? Ouais, c'est une possibilité. Et King Kong? Non, mais Geeky Pie Dada, il lâche pas l'affaire avec son King Kong, quoi. Ouais, Tearaway, il est trop bien. Merci de l'avoir proposé. Ouais, non, mais ça, c'est un jeu que je... En fait, c'est pour ça que je voulais le faire en live. D'habitude, c'est pas trop mon truc, hein, vous savez. Moi, j'aime bien faire des vieilleries chiantes et moches. Comme Nomad Soul. Mais voilà, il y a des jeux qui méritent quand même qu'on en parle. Je n'ai aucune raison de faire ça. Mais j'ai pas ici que... Mais non, mais... Ah! Il me laisse re-rentrer. Oui, la dernière fois, pour sauvegarder, j'avais dû revenir ici. Donc, va falloir une troisième fois... oui. Que j'achète le fameux bouquin. Et je sais plus ce qui s'était passé la dernière fois. Je crois que j'arrivais pas à utiliser l'outil pour le traduire. Donc, l'entrée de... voilà. J'ai besoin de ça pour savoir où se trouve l'entrée, où je vais pouvoir botter son cul à je sais qu'à, je sais pas, quel démon de je ne sais pas quoi. Mais le problème, c'est que, voilà, déjà que la typo est pourrave, hein,
Mais en plus, c'est... Voilà, je... Mesquimer anonteriorua. Surem quinoa eopardim. Voilà, donc en fait, il me faut un Tradutech et je n'arrive pas à l'utiliser. Je comprends pas pourquoi. Alors, voilà, j'avais essayé. Ça marche pas, c'est ouf. Utilisation impossible. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Alors, est-ce qu'il y a un truc que j'aurais pas compris? Moi, je veux le Lice Pay. Le Lice Pay? Quel Lice Pay? Tu veux dire le live avec le tier away que je vous ai proposé? Vous allez voir, ça va être cool. Bon, je ne fais que passer, moi, je vous laisse déjà. Je joue un petit peu. Tu joues à quoi, Mademoiselle Etis? En tout cas, je te remercie d'être passé. Des bisous à toi. Et très bonne soirée. Elle va certainement dessiner ou faire des choses comme ça. Un interrupteur? Oh merde, j'avais pas vu ça la dernière fois. Bah putain, mais j'ai cru que c'était une déco, quoi. Oui, ça ressemblait à une veilleuse. J'ai cru que c'était une veilleuse. Mon dieu, du morse. C'est même pas du morse. Ah, attendez, ça a fait quoi? Ah! Je ne crois pas que le garde apprécie de me voir faire mumuse avec la lumière. Je ne devrais peut-être pas trop insister. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Traductech utilisé sur l'en... Oh, ça a marché! Je n'ai plus besoin du livre maintenant. Ça, ah bon, ça, j'ai plus besoin du. Traduction, voilà. Bah ça y est, j'ai plus le livre en plus. Ouais, non, c'est bon. Examiner. Traduction du texte de Traductech. Celui qui veut troubler. Putain, mais c'est possible de faire un truc plus petit que ça? J'ai l'impression de voir des pattes de mouche. Celui qui veut troubler le repos des morts dans la nécropole sacrée de voilà. Les trois joyaux. De trucs doit rassembler. En plus, il parle comme Maître Yoda, quoi. Il est parfait, ce Trex. Les deux premiers joyaux perdus. Pardon. Les deux joyaux, enfin, c'est pas grave. Dans les fureurs de Cobalt, sont peut-être toujours de ce monde. Le troisième, l'œil droit du dieu au fond du puits. Voilà. Dort encore. Au fond du puits d'Imili? D'Imali? Je sais pas. Quand les trois pierres seront réunies, le temple de Kiwiwan, le magicien, doit se rendre pour demander la bénédiction du mort. Ah, vous s'en fout, je comprends pas. Et de toute façon, d'avoir lu que ça va me changer quoi, moi? Tu crains? Pourquoi je crains encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je fais des niveaux sur Super Mario Maker. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit, Mademoiselle Etis, que tu y jouais à ce jeu-là. Ouais. Pas moi. Je vous avoue que le Super Mario Maker, j'ai fait l'impasse dessus. Peut-être plus tard. J'ai pas de niveau, mais je préfère y jouer. Tes cheveux sont tellement magnifiques comme ça, Manu. Merci. Merci. C'est pour faire écho à Will. Voilà. Will, tout à l'heure, il jouait, il avait des cheveux un peu. Voilà. C'était ça. De toute beauté, n'est-ce pas? Tu remets la lumière pour traduire le live. Oui, le livre. Le live. Oui, bah oui, du coup. Mais j'ai pas pensé au premier coup. Je pensais que c'était une cinématique qui s'enclenchait, mais qu'il y avait un bug. Ah, que coucou! Hey, Skyler, ça va? Skyler qui fait des lives quand même bien sympa. Ouais, je vous avoue, si vous vous ennuyez, il en fait même très souvent. Et j'aime bien ces lives. Il y a une très bonne ambiance avec ses viewers. Oh, cette sexitude! Ouais, vous avez vu ça, on dirait un personnage de Final Fantasy. Designé par Nomura. Allez. Hop. En plus, ça tient, hein. J'ai pas. C'est vrai que le mec, il a un problème avec son cul. Bah écoute, j'arrive pas à voir sa tête, mais peut-être que c'est inversé, effectivement. Il est toujours occupé de jouer, oui, là. Ben, avec Mickaël, le live, il va peut-être pas se terminer tout de suite. Voilà. Ah, oui, c'est vrai, j'ai pas. Tiens, y a pas de modo ce soir. Hop. Voilà. Bon, finalement, je reste un peu. Ouais.
J'adore cette coiffure, ça me fait penser à toi, enfoiré quoi. Ça me fait penser à toi. Putain, j'adore ta coiffure. C'est les groupes de rock, vous savez. Je me suis inspiré de Kiss. Oui, mais je dois faire quoi? Alors, attendez, normalement, j'ai mes ordres de mission. L'accès au niveau sciences occultes de la bibliothèque est strictement réservé aux scientifiques. Oui, j'ai compris, du coup, je suis rentré. Buzz a décidé d'abandonner notre base de Humpur. La nouvelle base se trouve dans la falaise derrière la bibliothèque de... Bah voilà, je vais aller là. Je vais aller là, je pense. Putain, ce vieux corps pourrave. Vous vous rendez compte? Et attendez, si c'est encore possible, je vais aller dire au revoir à mon vieux corps. S'il a pas disparu. Je crois qu'il disparaît, ça, hein, au bout d'un moment. Ce qui manque. Alors, il était où le scientifique déjà? Il était. Je crois qu'il était là à droite. Il me semble qu'il était là. Putain, ouais, mon corps, il a disparu. Et vraiment, je me suis renseigné. J'ai plus aucune possibilité de le récupérer. Je me suis dit, pendant un moment, vu que j'ai récupéré un sort qui permet de ressusciter les morts, je me suis dit, bah voilà, il est mort, je le ressuscite et tout. Et bah, en fait, il y a beaucoup de sorts qui sont fake. C'est-à-dire, j'ai dépensé des sous pour acheter des sorts qui ne sont là que pour donner de la crédibilité à l'univers et qui ne servent à rien en réalité. Mais les tiens aussi sont bien, mon petit poulet, ah, mais Skyler. Cet amour! Ça a l'air vraiment étrange comme jeu. Ouais, ça l'est. C'est... Enfin... Comment dire? C'est un jeu qui est très avant-gardiste, je pense, pour l'époque. Mais justement, comme c'était à l'époque, eh ben ça en fait un jeu hyper chiant. Je pense que les plateformes étaient pas prêtes pour accueillir un jeu comme ça, qui était finalement... assez riche. Et du coup, bah, il arrive ça. C'est un jeu qui est un peu moche, où on sait jamais où aller. Ton personnage ressemble à rien et qu'on dirait qu'il porte des couches, je sais pas, c'est bizarre là, je vous avoue. Mais voilà, il y a des spécificités qui sont terribles. Le fait de pouvoir changer de corps comme ça et de s'adapter au nouveau corps avec ses stats précises, je trouve que c'est vraiment terrible quoi. Et puis c'est un monde ouvert. À l'époque, des mondes ouverts, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Alors attendez, normalement là, il y a derrière une montagne, je sais pas quoi. Ouais, allez, il y a un truc où je dois aller. Je dois trouver quoi? Ah oui, la nouvelle base. Je regarde ce live en cachette parce que mes parents veulent pas et que je dois faire gaffe parce que ma soeur est une grosse rapporteuse. Souhaitez-moi bonne chance. Je souhaite bonne chance, ma pauvre Sherlock. Prends pas de risque pour moi non plus. Voilà, malgré notre amour. Qu'est-ce que quoi quoi quoi? Or quoi? Cor t'es que t'es. Ah, Geekypie Dada qui fait du texte du jeu. Très bien. C'est quoi ces cheveux, Justin Bieber, c'est toi? Attendez, j'ai remis le live en live, voilà, parce que j'étais pas tout à fait synchro. Comment il essaye pas de les replacer? Et je croyais que ça vous plaisait, moi je le replace pas, hein. Ah, attendez, ouais, ça. Je suis obligé de faire le boulot tout seul, quoi. Poc. Il m'énerve ces bots. Ouais, en ce moment, c'est ouf, quoi. Même quand tu commences un live et qu'il y a personne, les bots frappent. Bah oui, ils s'en foutent, puisque ça se fait. C'est un bot, quoi, automatiquement. Et du coup, c'est hyper relou. Alors, bibliothèque, nouvelle base. Ah, nouvelle base! Bon, en fait, c'est simple. Je prends toujours à gauche. Putain, puis ça rame. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, parce que bon, c'est le. Ouais, c'est en live, et du coup, bah. Sur la capture, je sais pas ce que ça donne, mais en jeu, ça rame vraiment, vraiment beaucoup. Surtout quand il y a beaucoup de monde, il y a de l'eau à côté et tout. Et pourtant, c'est une toute petite zone ici, mais voilà. Bonsoir, Vitaloun! Elle est où, Vitaloun, quand on a besoin d'elle? Bonsoir! En fait, Vitaloun, faut l'invoquer. Voilà, moi, je connais des vieilles légendes, il paraît que si on dit 3 fois Vitaloun devant un miroir, elle apparaît, et elle vous bannit des bots. Je sais pas si c'est vrai, hein. Ah, il y a un truc ici, c'est peut-être ça? Attendez. Il y a un trou dans la montagne. Ah, oh! Oh! Technologie, tout ça! Bon, bah voilà, la nouvelle base. C'est un peu troglodyte, hein, tout ça, ma foi, mais bon. Ah oui, non, d'accord, c'est un tapis. Je me disais, putain, ils ont foutu de la lave en plein milieu de leur base. C'est quoi cette idée de merde?
Vous savez, leurs meilleurs agents sont pas morts en mission, ils sont morts en essayant de traverser le hall. C'est tellement con. On me demande. Eh oui, on avait besoin de super Vitaloon pour super botter le cul au super bot. Ah, j'avoue que j'avais du mal à charger mon live. La formule magique modo modo. On vote au mojo. Et un modo apparaît. C'est magique. Allez, on va changer de coupe un petit peu histoire de vous faire plaisir. Hop. Voilà. On va mettre ça. Ça, c'est bien là. Ouais. Ah, je vais faire comme Will tout à l'heure. Hein. Je sais pas si vous avez regardé le live. Mais en trois quarts d'heure que je regardais son live, il a changé de coupe 10 fois. Sans le vouloir. À chaque fois qu'il passait la main dans ses cheveux, il y avait un truc magique qui se passait. Je sais pas. Bon, voilà la nouvelle base. Putain, elle est encore plus grande qu'avant. Les éveillés, ils sont déjà installés. Dacoba et Gina sont sûrement déjà là-bas. Tu sais qui c'est qu'elle aime? Bah, ma Vitaloon, bien sûr, je le sais. Mais, je l'ai déjà dit l'autre fois, hein. Je ne révélerai pas son secret, à moins d'être payé très grassement. Ou là, bah, je le donne sans problème. Oui, je suis la copine à Véronica et Geeky Validada. Ah oui, Vitaloon, c'est comme ça, quoi. Alors. Ouais, mais il va falloir de nouveau que je m'habitue à une nouvelle base. Putain, ils ont pas trouvé plus relou. Déjà que l'autre, elle était hyper galère, quoi. Il y avait des... C'est un labyrinthe, ce truc. Je parle pas de haine. De quoi, Véronica? Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros caillou dans une salle, oui. Oh, gloire au dieu, grand caillou. Qu'est-ce que c'est que cette chose, bordel? La statue d'un dieu d'une civilisation ancienne? Mais mon dieu, il doit faire du 74 de pointure. Ah, d'accord. Oh, mais j'ai cru que c'était des vrais mecs, moi. Oh bon, bref, non, je vais pas vous spoiler. Hein. Non, je vais pas le faire. Ça, c'est les archives, je crois, en fait. C'est marrant, il y a que des trucs en pierre et tout. Puis t'as une stèle au milieu qui est hyper technologique, quoi. Il y a un truc à récup, là, ici, c'est quoi? Oh, une potion de mana, ah, c'est cool! Vous savez pourquoi c'est cool? Parce que grâce à ça, je peux changer de corps. Et que c'est juste pas question que je me coltine ce corps. Tu sais, monsieur Bahama, c'est pas qui c'est. Oh, je suis désolé. Je suis pas du tout dans la culture des Twitch et tout ça. Le seul mec sur Twitch que je connais, moi, c'est Will, hein. Pour le reste, donc, Unservicer, non, je connais pas. Pardon. Le jeu m'endort, monsieur. Bah, t'as de la chance encore, Céline. Si t'étais geeky, tu te serais déjà endormi. J'ai eu des geekas avec un sœur, il m'a dit que je connaissais le nom. Manu qui reprend le concept des live caca. Hey, Dark Punk, ça va? Mais non, c'est pas un live caca, il faut lui ouvrir vos chakras. Vous allez voir, ce jeu, il est génial. Voilà, il faut passer outre la mocheté. Vous là, Manu, qu'est-ce que c'est que ce truc sur ta tête? C'est mes cheveux. Ou alors c'est un facehugger, mais il s'est gouré, en fait. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il lui a donné un coup de bâton. Bonjour. Très intéressant. Ah, d'accord, je vais filer le texte. Ah, bah, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, ben, voilà. Comment accède-t-on, hein, machin? Où est-ce que j'ai mis ma petite bouteille de coca? Oui. Oui, j'ai pas de l'eau aujourd'hui. En plus, c'est du Coca-Cola, chérie. Il faut réunir trois joyaux. Les joyaux de... Allez, je vais faire un effort. Via Grimuka. Via Grimuka. Que personne ait l'idée de prendre ce pseudo-là sur Twitch. Parce que je vous jure que ça va pas se passer bien. Pourquoi ton perso est cul nu? Bah, je me suis emparé avec lui alors qu'il était aux toilettes. C'est ça. Bonsoir, mon Lord Bater. Du Coca Cherry, yeah. Non, c'est pas du thé. Ah, je suis désolé, hein, on peut pas toujours avoir du thé. Ma tasse est vide. Oui, donc, voilà. Où se trouve l'entrée de la nécropole? Où se trouvent les joyaux? Bah, où se trouvent les joyaux? On s'en fout de l'entrée. Oui, non, que dit le texte? C'est bon, je l'ai lu, quoi. Donc, faut que j'aille au puits dit... Dirmali. Mais pourquoi... Non, ça, on s'en fout. Je ne connais aucun puits de ce nom. Mais il existe une place...
Pourquoi je vous ai trouvé l'entrée de... Hein? Ouais. Putain, mais il y a trop de termes en fait dans ce jeu. Alors c'est bien hein, de donner comment dire une identité à son univers. Mais ici, il y a trop de trucs que je peux pas comprendre avec des noms hyper compliqués. Là, le c'est quoi ça? Amestagan. Bon, encore là, ça va. D'accord, bon. Et donc, il y a un autre gars qui court après les joyaux. Et que lorsque les trois joyaux sont revenus, il faudra aller au tombeau et les ramener à la vie. Ouais, ouais, non, ça, j'ai compris. Kiwan. Kiwan était un mage puissant. Il est le dernier gardien de la cité des morts. Mais au début, j'ai eu peur parce qu'en fait, j'avais appris que le jeu avait des magies. Et finalement, en fait, c'est des consommables. Vous les utilisez une fois et en fait, c'est bon. C'est... Voilà, placement de produit Coca. Ouais, c'est cool, je vais pouvoir me faire payer par Coca. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oh, mon Dieu, mais t'as... T'as plein de personnes qui veillent sur ton live. On va te donner 10 centimes. Beurre du Coca, c'était de la drogue avant. C'était des médicaments, là-bas. Ça a été fait pour être du médicament. Et en fait, normalement, je m'en sers comme ça. Mais j'avais pas envie d'un thé. J'ai pas eu le temps de le faire, avant le live. À cause de Will, évidemment. Du coup, bah, je me suis contenté du Coca Cherry. Que peux-tu me dire d'autre à propos des autres joyaux? Bah, il a dit qu'il savait pas, je crois. Ouais, bah, il sait pas. Merci, Dakoba. Donc, je dois aller. Elle a rien à me dire, cocotte, hein. J'aime bien, j'essaye de lui parler. Et le jeu me dit non, je n'ai rien à lui dire à Dakoba. Elle, c'est une déco, en fait. C'est complètement une déco. Sur ce, moi, Toby McGuire, je me retourne préparer mon live. A plus sous le bus, les copains. A plus, mon Skyler, merci d'être passé. Monsieur Toby Maguire, c'est incroyable. Je sais pas s'il y en a qui avaient déjà fait la... Enfin, ceux qui l'ont vu en live, qui avaient déjà fait la comparaison, mais ce mec ressemble à Toby Maguire. Il avait les mêmes lunettes qu'il a dans Spider-Man, et je vous jure, il y a quelque chose. Vitaloon, toi qui le vois, dis-moi qu'il y a un petit quelque chose. Moi, j'ai monté. Et on est de bons viewers. Ouais, j'avoue, vous êtes la crème des viewers. Et je vous aime très fort. Bon, bah allez, on va chercher la... Ça va, j'ai pas trop galéré, tiens. Je m'attendais à aller dans 15 000 endroits pour trouver celui qui m'intéressait, alors que... Bah non, en fait. Je vais sauvegarder, on sait jamais. Puisque je passe à côté. Hop. Oui. Au fait, Bahama, je serai absente pour une semaine pour cause de voyage. Oh, très bien, Sherlock, si tu veux... Tu vas aller où? La crème. Je suis désolé, Lord. J'ai eu une écriture rouge, enfin un pseudo en rouge me disant la crème. J'ai failli dire hey, Skolou. Qui voit quoi? Bah, Vitaloon, je trouve que Skyler ressemble fortement. Enfin. Ouais, non, c'est même pas un faux air. Hein. Je trouve vraiment qu'il ressemble à Tobey Maguire, le mec de Spider-Man. Du coup, il m'a donné envie de Coca Cherry. Voilà, bah voilà, mais voilà, bah écoute, merci de l'avoir commenté, Agathe Nils. Grâce à ça, Coca va me reverser 2 centimes. J'ai envie de me faire un thé d'un coup. Ah. Bon, bah écoute, il semblerait que Lipton ait aussi un contrat avec moi. On est l'élite. On est l'élite team du Wiziness Twitch. Et tout ça rime pour toi, bah j'ai tellement de chance. Je vous ai dit, hein, je vous aime fort. Bon, il va falloir que je trouve... Vous avez vu ce saut que j'ai fait? Il va falloir que je trouve... Il va falloir que je trouve la place de je ne sais pas quoi, de... La bibliothèque... Voilà, la place... La place d'Imali. Alors, la place d'Imali, c'est simple. Elle est juste en face de la bibliothèque, en fait, ouais. D'accord. Et normalement, je devrais trouver un puits, là-bas. Et dans le puits, il devrait y avoir un yeux. Non, que Smithy, tu vises plus haut. Je vise plus la qualité. J'avoue. Non, mais que Smithy, justement... c'est pas possible. Hein. Ils parrainent que des lives avec 15 000 personnes. Enfin, mais comment ça, là, ça rame, c'est pas possible. Mais même la musique, j'ai l'impression qu'en fait, elle est hyper simpliste, justement, pour pas que ça se voit que ça rame à mort. Alors, c'est quoi? Mais je suis où, là? Je suis où? Je reconnais pas. Mais j'ai pas du... Hein? Qu'est-ce que je fous, là?
Mais j'ai pas du tout été où il fallait, quoi. Hop. Ah, je me disais, c'est bizarre. Ouais, le gros bâtiment qui est en face. Ça, c'est la bibliothèque, donc normalement... Voilà, la place d'Ismaili, c'est en fait un bâtiment. Voilà, la place, c'est censé être ce truc. Je sais pas, ça doit être une place fortifiée. Il y a certainement une logique à tout ça. Oh mon dieu, ce jeu est tellement beau, hello. Bah, je pensais pas dire ça un jour, mais en fait, tu as un pseudo encore plus compliqué que les termes dans ce jeu. Hello, héros Icono Banironov 3 Boom. Je m'en suis bien sorti, je trouve. Bienvenue à toi. On va tous faire de la pub. Coucou, petit bot. Ah, il y avait encore un bot. J'ai même pas vu celui-là. Vous l'avez détruit avant même que je le voie. C'est le Fox Engine. Mais oui, bien sûr. Attendez. En fait, l'histoire ne nous le dit pas, mais en réalité, le Fox Engine, c'est Quantic Dream qui l'a vendu à Kojima. On dirait un pseudo de bot, j'avoue. Y a rien de personnel, mais ton pseudo est vraiment long et j'ai la flemme. Donc bonsoir, héros. Bah, tu sais, sinon, il y a la touche tab qui est magique. Voilà. Héroïco, no, bano. Non, mais même quand tu me le partages comme ça en segments, c'est pas possible, je peux pas le lire. Pour 2016, on essaye les 200 followers sur ta chaîne Twitch. Bon, et ben voilà, putain, c'est une place, ça. Alors ça, j'imagine que c'est le puits. Je ne comprends pas. Bah, évidemment que tu comprends pas, tu comprends que dalle. Ah, ces symboles sont certainement la clé de quelque chose, mais je pourrais m'amuser avec toute la journée à rien trouver. Il doit y avoir un moyen de trouver à quoi ils servent. Ouais. Donc en fait, si j'en baisse un, il y en a... L'autre se relève? Ouais, c'est ça. Il y en a combien? Il y a 4 stèles. Putain, comment je suis censé savoir ça, moi? Ça se trouve, il y avait un bouquin, la bibliothèque, avec les symboles qu'il fallait utiliser ou je sais pas quoi. Hey, bonsoir Nemesis. Waouh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça va? Ça fait plaisir de te voir ici. Et Manu qui me vole les mots de la bouche. C'est pas la première fois. Mon dieu, ce jeu est beau, je pleure, vous avez vu ça? Que ce soit-il ici. Bonsoir Rocket 570, il se passe des choses. J'ai une nouvelle blague, tu... Qui veut avoir pitié de moi? Allez, vas-y Sherlock, on verra si... On va demander à la foule après de choisir pour ton sort. Vous savez, je suis comme ça. Passage furtif, merci Garfunk pour le follow. Parce qu'il faut suivre Skyler. Skyler, c'est le bien. Alors, bon. Alors, est-ce que j'ai quelque chose dans le texte? Par hasard. Parce que... Ah, mais je l'ai même plus. Et j'ai toujours les bouquins de... Merde, j'ai toujours les bouquins du mec, là, qui m'a demandé des choses. Et mais il y a un indice? C'est quoi, là, ce machin? Putain, c'est tellement moche. Une peinture rupestre, oh mon dieu. Oh, oh! On dirait une vieille carte. Alors, j'imagine que ça, du coup, c'est important. Ah! Oh non! Putain! Oh, va falloir se taper tous les coins pour avoir les symboles. Fait chier, ce jeu. You, mon téléphone, je vais pas retenir ça, quoi. Et en plus, le jeu ne vous donne pas le moyen de garder ça en mémoire, quoi. C'est pas possible. On connaît la blague de la chaise, elle est pliante. Non, mais c'est con, elle m'a fait rire. Voilà, c'est pas fait exprès, mais ça m'a fait rire. Je préfère largement les petits lives tranquilles comme ça. Ouais, moi j'avoue, c'est vrai que c'est agréable. Même pour avoir un petit contact avec vous, c'est cool. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone, là? Non, c'est pas question que je retienne ce truc-là. Putain... J'ai mis où? Ben... Ah, il est là. C'est limite si j'allais pas demander à l'un de vous de faire sonner mon téléphone. Bon! Oh, pardon, hein, je fais ma petite popote, tranquille. Alors, on va prendre ça en photo. Voilà, pendant ce temps que Véronica va prendre, évidemment, un screen. Et punaise, va falloir que je chope les quatre endroits.
Il est chiant ce jeu. Offert des notifs à BAM. Ouais, je lutte là. Tu luttes déjà, Geeky Pie? Oh, mais je m'entraîne dur pour l'être, ne brise pas mes rêves. De quoi? Attends, qu'a dit Rocket? Est-ce qu'il non? Moi, je suis le meilleur pour les blagues. Oh, on va dire que... Ah, oh, merci pour le follow, j'ai pas vu qui. Ah, c'est Hero! Il faut vraiment que je fasse un truc pour mes trucs de follow, là, parce que ça ne va pas. Mon petit squelette, il disparaît trop vite, je vois que dalle. Merci à toi. J'ai pris un screen aussi, on sait jamais si je vais t'aider. Merci, Logan Fool. Ça, c'est du... c'est du live dynamique. Où c'est carrément les viewers qui prennent des photos de la map. Bon. Alors. Bon, il y en a un au bout d'espèce de pointe, là. Ah, putain. C'est chiant comme idée, ça. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai parlé dans le vent. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Je vois pas ce que t'as... Ah, Diana. Je mets le lien de ton Twitch au café où je travaille avec l'horaire. Comme ça, il y aura un petit avare. Oh, c'est gentil. Merci, Diana. Merci. Voilà, bientôt, mes lives seront disponibles directement dans le café. C'est gentil, merci. Que ferais-tu sans tes viewers? J'avoue. En tout cas, je me perdrais sur les maps, apparemment. Alors. Ah, puis il y a un problème, c'est que la carte, elle est... Enfin, je m'y reconnais pas, quoi. En fait, on dirait que c'est dans la flotte, les symboles. Ah ouais, d'accord, j'en ai repéré un, je crois. Je sais pas, en fait. Putain, je dois aller où? Ça aurait franchement pas été du luxe d'avoir la carte qui s'affichait dans un coin de l'écran, parce que là, c'est un jeu de piste, le truc. Je suis où, moi? Et en plus de ça, ouais, pour obtenir la carte, faut aller déjà dans son menu, puis il faut cliquer sur carte, quoi. C'est juste hyper ergonomique, y a pas de problème. Un exemple. Le Fox Engine dans toute sa splendeur, je vous assure. Ton perso a eu des cours avec Enjoy Phoenix. Ou je vais faire le mal. Bah écoute, il semblerait qu'on lui ait prescrit un masque pour les fesses à base de cannelle. Et ça lui a brûlé l'arrêt. Voilà, il n'en a plus. Heureusement qu'il ne l'a pas mis sur la tête. Quoique, visiblement, il y a quelque chose de sordide au niveau de son visage. C'est pour ça qu'il le cache. Il a des bandages partout et tout, le perso, quoi. Et je vous rappelle que c'est un vieux scientifique pourrave que je voulais pas prendre. Eh, c'est normal, ces persos là-bas qui papotent? Oh, mais oh, putain, c'est pas vrai. Oh, merde. Oh, la beauté de ce jeu, c'est magnifique. Et Dreamcast, s'il vous plaît. C'est un jeu sorti sur Dreamcast. C'est incroyable. C'est bon, je l'ai ouvert sur Paint. Un bâton de cannelle dans chaque yeux. Pourquoi vous haïssez Enjoy Phoenix? Oh, moi, je l'avais pas. Hein. En ce moment, il y a une histoire avec eux, mais... avec elle, pardon. Mais sinon, je m'en fous. Hein. Apparemment, elle donne des conseils beauté qui ont l'air cool. Il me semble aussi qu'elle a participé à une émission, là. Je sais plus laquelle c'est. Donc, normalement... Ah ouais, il y a... En fait, c'est en face. Il y a les Dalton, là, voilà. Putain, c'est que tous des clones dans cette ville. Et regardez la course du gars, hein, s'il vous plaît. Il est sans... Je crois que je l'ai passé. Je crois que c'est par ici, en fait. Ça peut ouvrir, ça? C'est quoi, ça? C'est une porte éventail, c'est ça? C'est le turfu? Et puis, il va falloir que je ressorte mon appareil. Parce qu'en fait, une fois que j'aurai chopé le fameux icône ou je sais pas quoi que je vais devoir trouver, là, le symbole, il va falloir que je m'en souvienne.
Oh, ça s'est ouvert? Il m'a semblé entendre un bruit. Non. Et je suis pourtant dans le bon coin, là, non? C'est pas ici? Ça se trouve, c'est dans l'eau. C'est quoi, ça, là-haut? Ouais, non, c'est pas ça. De la tristesse, quoi. Ouais, j'y suis, là. Bah ouais. Eh, bonsoir, Mégane, bonsoir, mon klaxonnet d'amour. Vous allez bien? Je supporte pas les youtubeuses beauté qui montrent aux gens comment vivre leur vie. C'est pas une part des modèles. Ouais, après, bah, pourquoi pas, hein, si certains ont besoin d'avoir des repères. Je dis pas... C'est quoi? Et c'est ça, le symbole? Je sais même plus ce qu'il y avait comme symbole, en fait. Ouais, non, ça, c'est des décos. Je suis au bon endroit, pourtant. Putain, punaise, je dois aller où? C'est ça? C'est quoi, ça? Non, ça, c'est une... Ah, c'est une porte! Ah, ouais, non, je crois que c'est une porte. Ça m'a l'air d'être des fenêtres. Ouais, et puis faire la différence entre les différentes textures dans ce jeu, c'est... Ah, oh, ça grimpe! Oh, mon Dieu! Ah, ouais, il y a un truc là-haut, je pense. Ah, bah voilà! Une porte, mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Et j'arrive visiblement dans l'antre du diable, avec du rouge partout et tout. Bonjour. Que puis-je faire pour toi, étranger? Je voudrais acheter un truc. Qu'est-ce qu'il s'y vend, lui? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est des potions de mana! Je vais pouvoir changer de perso à volonté. Oh, c'est bien. Potion de régénération. La pierre de Tar. Une peau de cham! Une peau de cham! Alors, c'est pas une peau de chameau. Putain, j'ai pas beaucoup de setec. C'est ce qui permet de donner... de donner plus de puissance à mon perso. Non, c'est pas de la... Non, c'est de la... De l'armure, en fait. Voilà. Basiquement. A plus et bon live tout le monde. Bye Darkpunk. A plouche. Tu viens de percuter la manie avec ses cheveux comme ça, on dirait le cinquième Birgis. Ah, ah, ah. Mon Dieu, mon message est perdu. Je vais devoir faire un copier-coller. Attends, qu'est-ce que t'as... C'était... Je sais pas si j'ai joué... Je sais pas si t'as déjà joué à Hitman Blood Money. Mais si tu fais des lives dessus, je vais faire en sorte d'être là tous les jours. Ouais, j'ai joué à Hitman Blood Money. C'est le meilleur Hitman. Écoute, éventuellement, je peux faire des lives dessus. Parce que c'est le Hitman que j'ai préféré, moi. Oh, oh, c'est génial! Et non, mais ça, vous vous rendez compte, c'est parce que, en fait, là, j'ai la dernière fois, j'ai... Bonsoir, Rabbit Crazy, ça va? J'ai sacrifié un personnage que je n'aurais pas voulu sacrifier parce que je lui avais donné de la force et tout ça. Et là, c'est génial. Parce que lui, il me vend tout ce qu'il faut pour faire de mon personnage un tueur. Bon, bah, potion de sang vierge. Si vous voulez, hein. Voilà, ils ont pris du sang à quelqu'un de vierge. Ils ont été, je sais pas, dans une salle d'arcade. Ils ont pompé du sang aux gens qui étaient là-bas. C'est le meilleur. Le 2 est pas mal, mais les graphismes... Ouais, moi, j'ai préféré le 3 dans sa mécanique d'assassinat, en fait. Je trouvais plus cohérent. Star Wars Battlefront. Aïe. J'ai failli diffuser la bêta, puis en fait, je me suis dit que c'était pas intéressant. Potion. Alors, il y a une potion. Alors, en sachant que les potions d'attaque ont un effet limité dans le temps, en fait, elles ne couvrent qu'un seul combat, que les potions de mana vous permettent de changer de personnage, c'est cool. Donc là, je pense que je vais prendre... Une peau de cham. Voilà. Et une potion de mana à 50. Bim. Comme ça, là, je vais pouvoir changer de personnage. Et je vais même le faire tout de suite. Je vais trouver le symbole qui est ici, parce que je pense que le symbole, il est là. Ah. C'est quoi, ça? Oh, là! C'est YouTube. Alors, attends, alors là, ça va être marrant, parce que du coup, je suis obligé de... Je suis obligé de maintenir la touche pour regarder, ouais, parce que sinon il maintient pas. Il va falloir que je zoome comme ça, voilà. Hop.
Vas-y. Voilà, on dirait un peu vite fait une enveloppe. Bon, ma photo est floue, mais je pense que je comprendrai. Pourquoi forcément une salle d'arcade? Bah écoute, je suis désolé, hein, c'est le plus grand rassemblement de puceaux au monde, enfin, pardon. Non, le 3, il pue. Le 2 pisse tout, mais non, le 2, il est trop moche. Bonsoir Villoret. Bon, effectivement, je ne devrais pas parler de jeux moches alors que je live sur cette chose qui est là devant vous. Mais, bon. Non, je vous avoue que moi, Blood Bunny, j'ai adoré. J'ai fait le dernier, et j'ai détesté celui-là. Absolution. Et là, le prochain, hein, on en a parlé avec Lord Bater, lors du 1 plus 1. Franchement, enfin, même s'il a l'air bon, le modèle économique qui a été choisi, donc visant à distribuer le jeu bout par bout, franchement, n'est pas exemplaire, quoi. Moi aussi, je veux voir ça à l'ordre. De quoi? C'est moi ça, un hein, okay, nous voir nous ébattre dans l'herbe. Ah ben on ferait ça avec plaisir, c'est Lord Bater, c'est de l'amour quoi. Et merci du follow Rocket 577. Bibliothèque. Alors, oui, non. Là tout de suite, ce que je vais faire. Eh mais oui, mais il n'y a pas de voiture en fait ici. Comment je fais? Parce que là, je veux changer de corps. J'en peux plus du mec avec son cul nu. Je veux partir. Ah, c'est cool, il y a un portail. Je vais choisir quel corps aussi. Alors, sachant que les corps ont tous une... Tu peux pas y aller? Que les corps ont tous une faiblesse... un bonus et un malus précis. Servir, protéger, éradiquer. Pourquoi je peux pas y aller? Et qu'en règle générale, les femmes sont plus faibles, mais sont plus rapides. On peut, avec des potions, donner plus de force et de résistance. Par contre, on ne peut pas donner de rapidité. Donc c'est mieux de prendre un personnage féminin si on veut avoir un truc de fou. Voilà. Bzz, bzz. Je vois l'alerte, je dis merci pour le bas. Ah oui, c'est pour que je le vois, parce que sinon je le vois pas. Et pour que je puisse te remercier, moi. Merci, mon klaxonnet d'amour. Tu veux pas atteindre le vibro sur ton... Ça va, quoi, voilà. Je le mets là, mon portable, voilà, comme ça vous gueulez plus. Non, mais t'as pas honte en plein live, quoi. Et Absolution, c'est un bon jeu d'infiltration, hein. C'est pas un bon Hitman. À la limite, moi j'aime bien en tant que Hitman. C'est moi qui l'ai activé la licence, mais la licence est le porté. Oui, je l'ai pas mis où il fallait, quoi. On fera ça après le live. On est 20 sur le live. Oui, j'ai vu. J'ai vu, je vous remercie à tous. Ça fait plaisir de voir un petit peu le monde. Bon, il y a toujours des mendiants, des choses comme ça. Je veux changer... Ouais, mais pourquoi j'ai pas pu partir alors que... changer de corps, c'est un peu le truc que je voudrais, là. Accès à jaune pur. Alors, comme personnage... Alors, je suis désolé, hein. Comme personnage féminin intéressant, je ne me souviens que de celui que j'avais croisé dans un sex shop, me semble-t-il, dans une des premières zones que j'avais visitées. Je crois bien que c'était un sex shop. Et donc, je vais me diriger vers celui-là, parce que je me souviens plus des autres, en fait. Et moi qui veux prendre absolument une femme, ce sera celui-là. Sea of Thieves, même pas en rêve, mon klaxonnet. Voilà, tu sais que je t'aime, hein. Mais alors, Sea of Thieves, ça va pas être possible. Très bien, donc, Dakoba, comment je fais déjà pour me déplacer? Voilà, donc là, je suis à Anegba. Et évidemment, tous les commerces ont disparu. C'est génial. Je vais aller à Nekba, à l'accès sur Cédric, parce que je crois que c'est une zone qui est un petit peu au milieu. Ouais, je vais faire ça. Ok. J'ai raté le sex shop. Ah oui, non, mais si vous voulez, je vous montre un exemple, hein, c'est génial. Voilà, vous avez le droit de voir 30 secondes de polygones dandiner.
C'est très esquittant. C'est esquittant à mort. Et le concert de David Bowie. Et il a pris cher, hein, David Bowie, je vous avoue. Ah, le problème, c'est que des sex shops dans ce jeu, il y en a de partout. Alors, il y a un supermarché et tout. Vous allez voir que il y a des bars et tout avec des posters un petit peu spéciaux. Non, là, c'est un hall d'immeuble. Ça ne m'intéresse pas. Je suis où là déjà? Une fois que j'aurai changé de corps, je me sentirai déjà mieux, quoi. Je suis déjà tellement dégoûté d'avoir dû. D'avoir dû me séparer de l'ancien. Puis le jeu qui a eu la formidable idée. Hop, je passe. De m'effacer tous les points de repère que j'avais. Tous les bars et tous les machins que j'avais avec ma progression, il me les a effacés. Parce que le jeu fait tout pour être chiant. C'est juste ça. Ou alors il s'en bat les couilles. Non, je l'ai pas vu, désolé. Je suis pas habitué à avoir du mouvement dans le chat, je suis désolé. Et le Hitman qui arrive en décembre, mon PC ne peut pas le faire tourner, putain. Ah oui, d'accord. Et là, pourtant, il a pas l'air excessivement beau. Bon, bah maintenant... Comment je suis censé retrouver le... Alors, il y a un gun shop ici, ouais. J'ai aucune idée de... Ah, mais attendez, c'est pas ici, en fait. C'est quoi, ça? Je sais pas si c'est pas dans la zone à côté, en réalité. C'est quoi, ici? Non, 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 mais ça va, te ferme pas. Est-ce que... Tiens, toi, là. Ce sont des distributeurs de médicaments. Tu n'es pas bien gentil avec les personnes du sexe opposé, hein, monsieur. Ouais, non. Gunshop. En fait, finalement, il me semble que elle se trouvait peut-être dans un bookstore. Supermarché, non. Ça, je me souviens, c'est sûr. Dans le supermarché, non. C'est pas le genre de connaître la map. Bah, attendez, c'est juste impossible de connaître la map à fond. C'est tellement... Tout se ressemble tellement, c'est tellement moche que... Bon, bah, voilà, quoi. Je vais uriner, je reviens. Lord Bater urine pour moi. Je préfère voir ça que urine sur moi. C'est comme le phénix uriner de ses cendres. Voilà, et bim, je me fais percuter. Y a pas de souci. De toute façon, c'est pas grave, je vais me débarrasser du corps très bientôt. Le truc, c'est que la dernière fois, pour rendre intuable le corps que j'avais trouvé là, j'avais dû utiliser une potion qui s'appelle une potion d'invincibilité ou je sais pas quoi. En gros, ça augmente toutes vos stats. Je l'avais trouvé dans une zone secrète du jeu. Et que là, il y en a. C'est le genre de truc qu'on ne trouve pas partout. En gros, on peut pas les acheter, évidemment, ce serait trop cheaté. Et je suis pas certain de pouvoir en retrouver. Je pense pas que le jeu en livre des masses. Ah, je vais aller là-bas. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est un gun shop. J'ai l'impression de faire 10 fois le tour du quartier là. C'est comme le phénix sur une de ses cendres. C'est quoi ça? Putain, puis il y a plein de halls d'immeubles qui servent à rien. Et en fait, c'est exactement ça, hein. Vous avez des ascenseurs et tout. Vous pouvez entrer dans les halls d'immeubles. Mais une fois à l'intérieur, vous pouvez plus rien faire. C'est quoi ça? Drugstore. Bon, je vais aller voir, tiens. Bonjour. Ah mais putain, je suis déjà rentré. J'ai fait le tour depuis tout à l'heure. Là, il y a un hôpital. What? Pourquoi j'ai une pub? Hey, salut Sempokenju!
Tu vas être heureuse bientôt, je vais faire du Crash 3. T'allais jusqu'à cette déception, toujours pas de Crash 3. Et ben voilà. Ça y est, je te donne du bonheur. Dès que j'ai terminé cette purge, je me mets à Crash 3. Ah mais je suis tellement content de ce qui arrive là entre Crash et Tear Away et tout. Et après il y a des jeux que j'aimerais bien vous faire en fait sur la chaîne comme... comment il s'appelle ce jeu là En hommage au poilu. Alors je ne parle pas de Lord et de moi-même, hein, je parle de ces mecs là qui se sont battus pour la France. Enfin mémoire de soldat, je sais pas quoi, là, je l'ai téléchargé et je pense que c'est un jeu qui est parfait pour jouer en live. Salut à mes coons. Quand? Bah dès que j'ai terminé. Je pourrais pas te dire. Comme tout ce que je fais, c'est tourner en rond finalement. J'imagine dans 3-4 lives là, quand même. Drugstore et tout. Ouais, non, mais de toute façon, je trouve pas le. Mais. Pourquoi le jeu a supprimé les indications qu'il y avait? C'est quoi ça? C'est un gun shop? Puis il n'y a que des gun shops dans ce jeu, ça c'est une pharmacie. Ça c'est une tête. Call of Duty, même pas en rêve. Si le jeu crache pas. Mais non. Et c'est vrai qu'il y a pas. Hey, tu m'y fais penser, ça fait longtemps que j'ai pas eu de bug. Alors que normalement avec ce jeu là, c'est en permanence quoi. Ça c'est quoi? La morgue. Ouais, non, les corps qui y sont ne me sont plus très utiles. Alors, par contre, ça, c'est un bug. Hein. Normalement, je devrais plus avoir de pub alors que j'ai quitté l'endroit. Donc, le jeu doit... Ah, la morgue, elle est là. Le jeu doit se dire, ok, il est toujours dans le magasin, donc on va continuer à lui diffuser des pubs en masse. C'est bien, ça fait du son, c'est joli. Hey, ah oui, non, là, c'est à manger... Et en fait, je suis hyper attentionné après les panneaux qu'on voit là-haut, qui sont finalement utiles pour vous repérer dans cette mélasse de polygones. Mais malgré tout, j'arrive pas à me situer, quoi. C'est marqué quoi, là-bas? Supermarché. Oups, je suis rentré dans des gens. C'est un homme, il peut pas jouer et comprendre une blague. Alors, je suis désolé, hein, de ma polyvalence limitée. Pardon. Non, c'est Manu, je peux pas voir et comprendre une blague. Putain, mais. Clex, vas-y, comment tu tauntes, quoi? Ouais, bah, je vais continuer par là-bas. Putain, pourquoi j'arrive pas à tomber sur ce magasin? Si ça se trouve, je vais le trouver, puis en fait, il y aura rien, il y aura pas le personnage que je cherche. Ça là-bas, c'est quoi? Ah! C'est. Je sais pas. Gun shop! Puis on se croirait aux États-Unis, quoi. Il y a des magasins de flingues tous les 10 mètres. Non, je vais pas aller là-bas. Je vais passer par la petite ruelle sombre et crade. Avec des odeurs d'épices, vous savez. Non, je suis gentil, moi, menu, il est beau. Et plus rigolo. Ah, bah voilà, je retrouve un klax plus habituel. Alors, pas trop hâte pour Fatal Frame, la prêtresse des eaux noires, monsieur à la barbichette. Ouais, j'avoue. Même si les tests, j'ai vu tout à l'heure, sont pas hyper élogieux, en réalité. Mais je m'en fous. Ça a l'air tellement bien, en fait, avec le gamepad. Que non, je suis hyper... pressé d'y jouer. Drugstore. Hospital. Je suis où, là? Je vais garder ma place de modo. Ouais, ça, c'est les prérequis pour être modo. Hein, il faut avoir une belle langue, voilà. Tu comprendras qui pourra. Que serait tes lives si tu te perdais pas, Manu? Ouais, oui, en même temps, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. Voilà, et... Bah, vous êtes obligé d'admettre que le jeu, il aide pas. C'est moche, s'il vous plaît, c'est super dur de se reconnaître. Non, c'est quoi ça là? Il y a un vrai. Ah, oh punaise! C'est la ruelle sombre d'où je suis sorti au début du jeu.
où je me suis fait agresser par un robot. Bon, je vais aller tout droit. Il m'est déjà arrivé de parler toute seule sans entendre que ma mère était rentrée. Au bout de 10 minutes, elle m'a demandé si j'allais bien. C'est un Pokéjou qui danse toute seule devant ses escaliers chez elle. Oh, c'est quoi ça? C'est l'hôpital. Façon Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion, vous savez. Avec la mère derrière qui la regarde d'un air interrogé. On est trois avec Xenoblade Chronicles. Ouais, j'avoue, Xenoblade Chronicles, ça doit être cool. Alors par contre, c'est pas un jeu que je vais faire en live parce que c'est trop long. Mais ouais, je vais faire. C'est quoi ça? Bon. Ouais, je vais aller voir. C'est. Ça, c'est des toilettes. Ouais, non, y a rien ici. J'ai acheté ma Wii U exprès pour. Moi j'ai acheté ma Wii U exprès pour Pikmin. Parce que je suis trop fan de Pikmin. Mort. Putain. Mais y'a pas de. Y a... En fait, y'en a pas. Je fais toute seule. Je chante, je danse, je vais au resto et je pars toute seule. Besoin de personne. I'm a strong, independent woman. je vous fais pas la petite musique, hein, le fameux Strong, independent woman. D'une, parce que je parle en anglais comme une merde et que Véronica va encore se foutre de moi. Et de deux, parce que c'est un peu dur. Perso, j'ai acheté ma Wii U pour plein de jeux. Mais t'as une Wii U, toi aussi, Vibro? Eh, mais j'ai plein de gens à ajouter sur Wii U. Hier, j'ai ajouté... Enfin, Amekun a eu la gentillesse de m'ajouter. Bon, en fait, j'ai un peu fait caca aussi. Bonsoir, Lord, on est heureux d'El Samar. Ouais. Moi, j'ai acheté la Wii pour faire quel meuble? Non, mais faut pas faire attention à Klex. C'est sa spécialité... Eh, c'est quoi, ça, là-bas? Supermarché. C'est sa spécialité de faire comme ça, voilà. C'est... Oh, mon Dieu, Bookstore! C'est quelqu'un de gentil, mais... il est un peu hargneux, c'est tout. Non, pour une fois que je le complimente, bam. Ah là, il est là, le bookstore. Zelda, les Mario, Zombie U. Tiens, d'ailleurs, je me demandais si Zombie U n'était pas un candidat potentiellement intéressant pour les lives, en fait. Alors, je sais que tout le monde a craché dessus, mais je l'ai trouvé pas mal, moi, en fait. Je me suis bien amusé sur Zombie U. Avec son système... Ouais, il est où, le truc? Avec son système de... Enfin, une mort égale un personnage. Autant vous dire que si c'est moi qui joue, bah le personnage, il durerait 10 secondes. Alors, mais c'est quoi ce délire? Alors, je suppose qu'il faut que j'aille tout droit. Putain, même les panneaux, ils sont hyper galères. Vous êtes aidés par les panneaux, vous voyez que dalle. Ah, drugstore... Ah, bookstore, voilà. Donc, est-ce que la personne que je cherche se trouve ici? Oui, je crois que c'est elle au fond. Oh punaise, c'est elle. Et en plus, elle a des bondes et des bandages. Des bondages, j'aurais pas à le faire. Ça fait 10 fois que tu passes devant, merde, sérieux? Je t'ai donné mon Nintendo ID humblement, monsieur la barbichette. C'est gentil. Crash, c'est mieux. Ouais, une prochaine fois, vous promis, c'est le prochain jeu. Alors. Lui, c'est fini, carnet de devs, tout. Ta carnet de développeur. C'est quand que vous reprenez? potion de ma... Alors, je vais essayer de me servir de mon sort de réincarnation. Ça marche! Oh, punaise, elle a des stats toutes pourraves, c'est ouf! Bon, sinon, elle est pas moche, ça va. Je vais me servir tout de suite de ma peau de cham. Qui se rappelle de Hugo Lélire. C'est le seul jeu où on pouvait jouer avec son téléphone. Ça devait être vachement ergonomique.
Donc voilà, et ma peau, livre de poèmes de Kala, c'est quoi ce truc? Putain, la fille, elle a des poèmes sur elle, mais je m'en fous. Sort de... Ouais, et peau de cham. Non mais non, mais j'utilise pas. Voilà, ce qui a augmenté... son armure, normalement, sa résistance. Et dès que je pourrai, j'en achèterai d'autres. Caractéristiques. Oh putain, elle a des caractéristiques. Oh, c'est tout pour Ave. Esquive, vitesse, mana, on s'en fout. Voilà, résistance corporelle. Et l'attaque, je sais pas comment on augmente l'attaque. Je sais qu'on augmente un petit peu l'attaque en combattant. Donc je vais l'entraîner. Voilà. Oh, là, une démarche qui est déjà un peu plus potable. Bon, allez, je vais continuer avec mes recherches de symboles, moi. Elle a presque le même visage que la fille dans GoldenEye. Je sais plus quoi son nom. Alors qu'il y a une génération qui sépare la Nintendo 64 de la Dreamcast. Mais c'est pas grave. On va faire comme si c'était un beau jeu. Et je vais... Maintenant, c'est bon, j'ai mon personnage. Je retourne à... Laoré. Vers la bibliothèque. Attends, je vais acheter le pack avec Mario Maker. Ce jeu, c'est le feu, sérieux. Mais il y a vraiment des gens qui arrivent à s'amuser sur Mario Maker. Moi, je dis l'alpha de Unreal Tournament avec l'éditeur mieux que Mario Maker. Et tellement plus en avance. Ouais, le tortille du cul, quoi. Ouais, c'est bien. Bon, elle est où? La voiture. Ah merde, elle est partie. Le mec bien, quoi. Jaune pur, la vraie... Donc... La bibliothèque. J'adore ce jeu, moi, Manu. Ah, bah, je suis content. Il y a au moins quelqu'un qui l'aime. Non, mais, pour être honnête, si on fait abstraction des quelques défauts, de quelques nombreux défauts, il y a de bonnes idées, du coup, on peut s'amuser, quoi. C'est trop compliqué, le jeu qui vous demande d'explorer la ville avec cette vieille carte-là. Pour trouver des glyphes... Ouais... Donc, où dois-je aller? J'adore les amiibo. Ah, c'est... Oh non, Vibroski, ça y est! La folie des amiibo t'a pris. Quand tu demandes si les gens connaissent un jeu et que personne ne répond, oui, tu te remets en question sur ton âge. Oh mon dieu, tu es un homme préhistorique. Donc, il y a un truc... Voilà, il y a l'espèce... Pas connu de Kylie Minage. Moi, je connais plus Kylie Minogue que Kylie Minage. Juste comme ça. Voilà, donc normalement, sur l'espèce de forme phallique, il y a... un symbole... Je dois prendre quel pont là? Tout de suite. Donc celui-là. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc au bout. Normalement. Bon, je vous laisse. Moi, j'ai un bain à prendre. Et ben, bon bain à mes coudes. Et puis à plus tard. Alors, merci d'être passé. Humour plus sain. La nouvelle action avec Tex en invité cette semaine. Ouais. Il va nous faire un remake des amours. Bah j'y suis en fait. Il se passe rien. Attends. Je suis vraiment au bon endroit. Ouais, c'est par là. C'est peut-être dans la flotte en fait. Attention, nage de la mort qui tue tout. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau? Non, merde. J'avais pas prévu ça, par contre. Elle porte de dessous. Quand même. Et elle a des bandages magnifiques. Non, ça a pas l'air d'être là. Alors moi j'essaie de zioter le mur qui est à ma droite, hein. Je pense que si quelque chose doit apparaître,
ça sera là forcément dans ce coin-là. Hop, on va reprendre un petit peu de souffle. Allez, fais-nous le bug de lévitation sur l'eau. Ouais, non, je vais peut-être éviter parce que la dernière fois, c'est mal passé. C'est gentil, mais je non. Ça, les clics sur l'olienne, buzz en route, je crois. De quoi? C'est quoi votre Assassin's Creed préféré? Ah, t'as préféré, Sempo, Révélation, toi? Moi, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Celui mon préféré, bah, c'est le 2 Brotherhood, perso. Allez, attendez. What? Oh putain, je peux pas mettre la carte en fait quand je suis dans l'eau. Je peux aller dans le bâtiment là? Parce que quelque chose me dit que c'est dans le bâtiment en fait. La nage aussi gracieuse que la grenouille. Eh ah oui hein. Hop. Je peux rentrer là-dedans au moins. Comment ça se passe? Ouais non, c'est une vieille texture. Ça je peux pas. Vous voyez comme elle est plus rapide que l'autre perso qui traînait un petit peu quand même. Par contre, là, dans mon état actuel, si on vient me combattre, je vais me faire démolir la gueule. Eh mais, comment je fais pour y aller? C'est quoi ce délire? Moi, je peux pas me décider entre deux, Brotherhood et Révélation. Ah non, Révélation, moi, j'ai pas aimé, mais c'est parce que j'en avais marre de l'histoire d'Ezio, en fait. Je trouvais que ça devenait redondant un petit peu, du coup, bah j'ai préféré Brotherhood. Puis il était cool Brotherhood avec ça, c'est le premier qui intronisait cette espèce de... Enfin cette capacité à avoir des potes assassins qui pouvaient nous aider à des moments précis et tout. Puis après j'ai fait l'overdose, à partir du 3 en fait j'ai fait une overdose d'Assassin's Creed. À tel point que mon dernier ça a été le 3 justement. Et non mais pourtant je suis au bon endroit. Mon assez préféré, c'est Apollo Creed dans Rocky 2. C'est parce qu'il aime bien les moustaches, en fait, l'herbataire, c'est pour ça. Il peut pas s'en empêcher. Ça me rappelle le Far Cry qu'ils sont en train de faire. Ah oui, Tri-Ball. Il est tellement cool, ce jeu. Alors, je suis pile poil à l'endroit... Mais en fait, on dirait que c'est dans l'immeuble, hein. Dans l'immeuble qui est en face. Du coup, vous avez pensé quoi de Black Flag? Bah, pas grand-chose, vu que je l'ai pas fait. Je l'ai acheté. J'ai acheté le collector de riches. Et puis je l'ai jamais joué. Y a pas... Mais... Comment je dois aller me prendre pour aller là-haut? De deux, l'histoire déchire. Il y a des moments épiques. Tout le temps, revers nous, être super beau. Le gameplay, super révélation. Est-ce qu'il y a des bâchés à Altaïr? Ah, j'avoue. Ouais, je sais à quoi... Ouais, je sais à quoi tu fais référence. Elle était belle, cette scène, d'ailleurs. Il avait maigri d'ailleurs Altaïr à ce moment-là, je trouve. Et... Ouais, non, c'est pas là où je voulais aller. Mais par contre, je me disais que peut-être... Non. Black Flag est perturbant. Parce qu'on joue pas Desmond. Bah en fait, je t'avoue, je le savais pas. Ah! Oh punaise, regardez! Eh, mais c'est un YouTube. Comme tout à l'heure. Oh, ça se trouve, en fait... C'est juste le petit logo qui était à droite ou à gauche qu'il faut maintenir. Il y avait une... Sur le précédent, je crois que c'était une espèce de vague. Eh non, mais là, je peux pas le voir. J'ai aucune chance de le voir de si loin. Je trouve que ça casse le délire de jouer un non-assassin au départ et être en mer. Par contre, unité, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, il est beau, ouais. Faut reconnaître que c'est joli. Ouais, alors moi, je veux pas spoil la HS. Mais les autres peuvent spoil les jeux. Je veux pas spoil la HS. C'est quoi, HS? Ah oui, American Horror Story. Mais non, mais je m'en fous. Je disais ça pour rigoler la dernière fois. Je connais même pas, tu vas pas me spoiler à moi, en tout cas. Buggity. Non, il n'y a pas un accès là. Pff.
Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Oh, puis la musique qui se coupe à chaque fois, ça. C'est ouf. Dans Assassin's Creed, il y a les assassins et les templiers. Et même que dans un épisode un petit peu hors série, on peut jouer les templiers. Ouais. Cette entrejambe, je rêve, mon dieu. Ah, t'as vu ça? C'est encore mieux que la scène de Cesque qu'on avait vue. C'est torride. En fait, elle porte un espèce de string, non? On dirait qu'elle porte un truc transparent avec un string. Bon, je le vois là-bas, le truc. Je vois pas comment l'atteindre. Ça se trouve, je peux pas l'atteindre, en fait. Mais c'est bizarre, parce qu'on dirait que... qu'il y a une plateforme, quoi. Et que donc, je peux m'y rendre. Alors, encore un bot. Attendez, ce bot-là, il avait un message cohérent. Mon dieu. Il vendait des clés pour Star Wars Battlefront. Très bien. Merci d'être passé. Ouais, c'est gentil. Tu feras ta pub ailleurs. Je peux vraiment pas rentrer, là? Je ne vois pas quoi faire avec ça. Voilà. Je vais voir un petit peu ce que ça donne du dessus. Ah, il y a même des personnages. En fait, il faut peut-être rentrer vachement loin là-bas, si ça se trouve. Parce que là, en fait, il y a un lien. Est-ce que... Ah mais oui, il y a un pont, punaise. Ce que dire que si ça se trouve, l'entrée, elle est là-bas. Il m'a déçu ce jeu. Lequel t'a déçu, Céline? Ah oui, c'est là! Je crois. Je crois qu'il y a un passage là. Pouic. Ouais, d'accord, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a même des magasins là où j'ai eu un bookstore ou je sais pas quoi. Ouais, non! Le vieux gag de. De Bibip et contre Bibip et Coyote là. Je me suis arrêté au 4 parce qu'elle était trop nulle. Non, ce deck, mon PC, c'est juste une merde. Ah, moi, je vous l'ai dit, hein, c'est le 3 qui m'a achevé d'aimer les Assassin's Creed. Et je crois même que, au point de vue des mondes ouverts, j'en ai ma claque, j'en peux plus. Il y en a trop maintenant et ils ont jamais. Ils ont jamais le petit truc qui fait que ça va être bien. Pas mieux que les autres, en tout cas. Bah, là, j'ai essayé, comme il s'appelle déjà, Watchdog. Pouh, cette daube. Donc voilà, en fait, là, je crois que le signe qu'il faut réellement maintenir, c'est l'espèce de machin barré, là-bas. J'ai cru qu'il l'avait tué. Ouais, non, j'ai une tendance à ne pas maintenir mes corps longtemps en vie. Voilà. Alors, il y a une exposition de ouf qui fait que je vois pas. Voilà, merci. Hop. Les blessimes, c'est Minecraft. Bon, le prochain. Le prochain, il se trouve où? Bah, c'était une vague en fait l'autre. Le prochain, il est, on dirait, bah pas très loin d'ici. En fait, on dirait qu'il est là où j'ai pris le pont tout à l'heure pour venir jusqu'à là. Enfin, on va pas dire les escaliers en hauteur parce que le jeu gère pas les escaliers. Voilà, il est trop moche. Hop. Simscat, j'ai vu des streams dessus, ça m'a l'air bien marrant. J'ai arrêté au 3 pour l'instant. Watchdog, le jeu aurait pu être sympa. Le nom de Dieu, ce qui peut être barbant. Bah ouais, c'est ça. Puis ils se sont arrêtés au milieu de leur idée. Voilà, l'idée de tout hacker et tout, ça aurait été cool. C'est-à-dire, t'aurais pu agir vraiment sur l'univers qui t'entoure. Parce que tout. Enfin, tout est. Tout est... Il va bientôt mourir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tout est connecté, tout est technologique et tout ça. Et non, ils n'ont pas été
jusqu'au bout de leur idée, ce qui fait que bah tu peux faire que 2-3 trucs chiants, c'est tout, c'est dommage. En plus, l'histoire est relou. Alors normalement, le truc, il est par là. Il est peut-être dans la flotte, en fait. C'est quoi qu'il y a là-bas, là? C'est quoi, ça? Ah, c'est des gens qui se galochent. Ouais, ouais. Tu prends plus la même main. Comment je dois travailler, moi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait avec ma main? Genre, Manu, tu prends des selfies pendant les lives. Mais ouais, c'est pour Twitter, c'est pour demain. Je le mets sur Instagram après. C'est le 3, je suis bam. Heureusement qu'il a pas joué à Libération. Hé, hey, j'ai joué à Libération! J'ai joué à Libération, parce que je me suis dit, sur Vita, il y avait pas grand-chose à ce moment-là, et je me suis dit, bah voilà, Assassin's Creed, je vais y jouer, et j'ai trouvé chiant, j'ai pas terminé. Ah, il est là! je peux... Alors bon... voilà, bon bah là, je suis dans l'eau, alors je peux pas regarder à la première personne. Comme dans la vraie vie. Quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez jamais regarder à la première personne. Pouic. Voilà, selfie. C'est pour toi, Lord, celui-là. Ton Instagram est vide. Mais non, je mets que des trucs intéressants. Et le dernier, alors, il se trouve... bord de l'autre, je sais pas quoi. Date. Ah, Céline. Le dernier se trouverait... ah, bah, pas loin d'ici, en fait. Donc, je vais toujours à gauche, droite... et c'est bon, d'accord. En allant par ici. Là, je tourne à gauche. Hop. Normalement, voilà, j'ai un pont qui va me permettre de retourner à gauche. Je ne le prends pas, je continue à droite. Voilà. Là, je peux... ouais, je peux passer là-dedans ? Je peux... est-ce que ça, c'est une porte ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Allez, reprends ton souple. En fait, elle a les cheveux violets, cette nana. Voilà, il est censé se trouver ici. Peut-être qu'il est aussi dans l'eau, en fait. Ou alors, je peux rentrer dans le bâtiment. Attendez, il y a quelque chose, là, sur l'espèce de pylône. Non. Là, je peux pas rentrer dedans. Non. Bon, bah, ça doit être dans l'eau, en fait. En hauteur, je sais pas. Est-ce que je peux aller là-haut, là? On me dirait qu'il y a des balcons là-haut. Alors, je vais plutôt aller voir dans l'eau en premier. Hop. J'aime bien parce qu'à chaque fois, vous avez un méga gros plan sur l'entrejambe de mon personnage. Quand je saute dans la flotte, quoi. Ah, il est là! Et donc, ça, c'est des vagues. Non. Je vous assure que ce que je prends, c'est le symbole. Je vais crever. Putain, je vais crever dans l'eau, ça va être... non, je me barre. Je vais m'en souvenir, c'est des vagues. Nage. Je veux pas mourir, là. Déjà que j'ai plus de vie. Bon, je lag, moi, grâce à mon cher tendre. Ah, désolé. Oups. Ouh, j'étais pas loin de moi. Du coup, je vois plus le live. Alors, je lui dis bonne soirée. Bonne soirée, mademoiselle Letis. À très bientôt. Des bisous à toi. Ce jeu n'aura jamais de limite. De quoi? J'ai 4 screenshots, je vais les foutre dans un dossier, genre pour bah, ça me servira un jour. Son entrejambe, tu crois que c'est un trou sans fond? Non mais vas-y, mais comment tu critiques mon personnage? T'as pas le droit de faire ça. Ouais, c'est ça, le symbole. Bah, je l'ai même pas pris en photo, quoi. Ouais, quand okay, j'ai mis ta photo en avant-première. Ok. Des bisous, mademoiselle Letis. Allez, maintenant, je peux retourner à la place de je ne sais plus quoi. Où il va falloir que je sauvegarde parce que je suis pas loin de mourir. Et notez qu'elle fait super bien la brasse. Des bottes, pouc. Voilà. Alors, je ne me souviens plus où... là, regardez, vous avez un camionneur à côté.
Regardez, c'est musclore. La fille, elle est comme ça, quoi. Elle est massive et tout. Alors, la bibliothèque, elle est là. Ouais, ça, c'est la bibliothèque. Et normalement, la place, c'est le truc qui est là-bas. Il va falloir que je me soigne aussi. Est-ce que j'ai pas de la bouffe sur moi? Parce que j'imagine... Là, c'est cool. J'ai même pas besoin d'ennemis pour crever. Voilà, je... Tous les dagas que je me suis mangé, bah, c'est moi qui suis tombé à chaque fois. Potion de mana, magica, potion d'attaque. Je vais la prendre, on sait jamais. Bâton de pouvoir, on s'en fout. Ipra. Magica. Ouais, non, là j'ai rien, j'ai plus de soins. Je crois qu'il va falloir que j'aille dans mon inventaire. Il doit m'en rester là-bas. Salut Karae 91, ça va bien le monde? Et toi, ça va bien? Bienvenue, je crois que c'est la première fois que je te vois ici. Demain, avant de jouer au jeu, tu devrais faire un bonus de 5 minutes sur une petite mission de Hitman Blood Money. Ce serait peut-être alors. Bah, en fait, peut-être pas demain, mais si je le fais, allez, si tu veux que je te fasse plaisir, ce serait un live entier sur le jeu, genre un mercredi ou un samedi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait... Comme je le disais tout à l'heure, Blood Money, c'est le seul Hitman où je me suis amusé, parce que j'avais pas besoin de Solus pour comprendre toutes les manières d'assassiner les gens. C'était suffisamment subtil pour te l'expliquer tout de suite, et c'était cool. Hop. J'ai toujours pas mangé, merci. Désolé, c'est ma faute. Pardon, je recommencerai plus la live. Bien, alors, je vais sauvegarder avant. Alors ouais, mais comment je suis censé savoir quel symbole va où? Comment ça, Véronica, ton homme ne te fait pas venger pendant les streams? Alors que l'orbataire, lui, il le ferait. Est-ce qu'on est sur une carte géante? Non, même pas. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes, c'est les mêmes symboles, hein, ouais. Il y a une espèce de sens interdit, là, les vagues, il y a un A. Il y a le truc. Mais je suis censé savoir comment... Alors, ça, là, ouais, je pense que le truc au milieu, l'espèce de triangle, doit être utile. Est-ce qu'il apparaît sur la carte, ce truc? Il apparaît que dalle. Alors le premier, c'était quoi? C'était des... Ah, mais en fait, d'accord, c'est simple. Les deux qui étaient le plus éloignés, c'est lesquels? J'ai du mal à me repérer en plus. Celui-là, attendez. C'est ça? Je suis censé... Bon, il y en a deux, où il y a deux vagues. Là... C'est que tels qu'ils apparaissent ici, dans cette pièce, c'est pas tout à fait conforme à la manière dont elles apparaissent sur la carte. Normalement, ça fait plus un losange. Voilà, si on les réunit. Alors qu'ici, ça fait plus un... Ça fait plus un rectangle. Du coup, c'est pas super pratique. Je suis en universitaire à Bordeaux. Et j'ai la salle de bain quand même, j'ai de la chance. Je viens de me rendre compte d'un de ces trucs, ça va changer ma vie. De quoi, Iluganful? En fait, je t'ai pas dit, c'est mercredi que je reçois le jeu, je suis deg, je pourrais pas y profiter un grand max. Désolé pour toi, Karae. Yep, first time. D'accord, bah bienvenue à toi. Ouais, mais oui, mais... Pff, ouais.
Parce que là, en fait, c'est, ça va pas, mais ça va pas beaucoup m'aider, quoi. Ils sont... Bon, bah c'est pas grave. Je vais essayer de faire ça au pif. Donc il y avait deux vagues. Hop, comme ça. L'autre en face, c'était aussi des vagues. Voilà. Il y a eu un espèce de signe avec deux barres croisées et un rond avec avec une barre dedans. Donc, barre croisée, c'est où? Voilà, celui-là. Hop. Et un rond avec une barre dedans. Voilà. Alors, est-ce que... C'est pas bon! Alors, peut-être l'inverse. C'est-à-dire... C'est-à-dire... l'espèce de truc avec les deux barres. Voilà. Le rond. C'est pas ça? C'est pas ça. Ça veut probablement dire que j'ai inversé, c'est-à-dire que c'est ceux-là où je dois mettre les vagues. Putain. Le tonton Manu, de quoi? Attention, je suis dans ma vie, Bahamas, il avait les cheveux courts. On dirait mon oncle! Tu montres. Je vais voir une photo de ton oncle. Tonton Manu, allez, viens sur mes genoux, Yoganful. Vas-y, tonton Manu, fais voir ton jeu. Où tu joues le chien qui fait caca. Ouais, je vais te raconter une histoire avec le chien qui fait caca. Ah, oh, punaise, il a tellement plu ce jeu, quoi. Nintendogs, bien sûr. Ouais, non. Non. Non, quand même, j'ai du respect, quoi. Donc, la vague. C'est bon, j'ai mis, là? J'ai plus. Ouais. Donc, voilà, celui en face aussi. Mais en fait, je les ai déjà activés. Je suis bourré. Il y a quoi l'activer ici, là? Ah, non, en fait, c'est là. Je suis gouré. Alors, hop. Voilà, deux vagues. Ok. Et donc le signe avec les deux barres. Deux barres barrées. Et là-bas, il y avait le rond. Voilà, celui-là. Ça marche pas, ça commence à m'inquiéter un petit peu. J'espère que j'ai bien retranscrit là tous les symboles que j'ai vus. Que je me suis pas gouré. Là c'est ça. Et là c'est. Je sais plus. C'est quoi déjà que j'ai mis en face? Ça, je vous jure, moi et ma mémoire tampon de 2 secondes là. Truc avec les deux barres. Donc voilà, là-bas je dois mettre le rond. On a le droit de te donner combien de nations pour savoir combien coûte un billet d'avion. tout ce que vous pouvez. Votre fortune. Alors, est-ce que ça marche? J'essaie toutes les possibilités possibles, ça marche pas. C'est plus de la drague, c'est de la pêche là. Hey, bonsoir Montalier Nation. Moi je lui avais donné 50, je crois. Non, jamais. Jamais. Je confirme, c'est Clex, c'est ça, mademoiselle Céline. Non, mais vous inquiétez pas pour ça. J'ai fait toutes les possibilités. Attendez, je me suis pas gouré.
Alors le premier que j'ai vu, donc je sais que j'ai commencé par celui-là, c'est des vagues. Le dernier, c'est des vagues. Donc les vagues, elles sont forcément opposées. Les signes barrés, le rond. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je dois activer un truc? Ou alors si ça se trouve, ça s'est activé, puis je l'ai pas vu. Oh, il me gaffe ce jeu, c'est un truc de fou. Et comment... Peut-être qu'en grimpant, je peux avoir une vue d'ensemble, et que je sais pas, je vais vite comprendre, j'en sais rien, là. 25 € Bordeaux, au lire. Bah, s'il y a des gens qui me regardent, vous imaginez combien va devoir donner Geekify Dada? Geekify Dada, on va le faucher, quoi. Là, c'est... J'ai activé quoi? Bon, le A, là, jamais je ne l'active. Bon, le rond. Ah, mais non. Non, non, pas le rond. Voilà, donc normalement, celui en face, là-bas, c'est... C'est les vagues. Ça, c'est bon. Enfin, c'est bon, c'est peut-être pas bon, puisque je sais pas dans quel sens ça va. Là, je vais essayer le rond. Et si c'est une boucle, fais-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, mais tu penses que c'est... Il n'y a pas d'ordre, voilà. Donc normalement, non, mais je sais pas. Bon, là, ça n'a rien ouvert. Parce que si ça se trouve, le truc, il s'ouvre en silence, il dit rien. Quoi? J'ai pas un truc à foutre là-dessus, non? Bah non. Bon, visiblement, je me suis planté, donc je refais. Vers le rond, voilà, on va mettre le sens interdit, le rond, là. Les vagues. En fait, c'est simple, parce que les vagues, elles sont forcément opposées. Les vagues, les deux signes barrés, là, Vic. Et... Les vagues. Il se passe vraiment rien. Énorme, c'est un truc de fou. J'ai fait exactement ce qu'il fallait, ce qui était mis, quoi. Pourquoi ça marche pas? Donner de l'amour à Manu. J'en ai tellement besoin, je me sens seul là tout d'un coup. J'attends bonne soirée. Je pars pour... Désolé. Des bisous, Logan Fool. Parce que visiblement, tu pars, j'ai pas vu ton... Ah oui, moi, je vais y aller, je vous dis à demain. En attendant, j'irai jouer à CSGO. Aux œufs de ma vie. Non, on est très content pour toi. Des bisous, Logan Fool. À très bientôt. Merci d'être passé encore. Mais non, bah, pourquoi elle serait pas côte à côte si c'est une boucle? Mais c'est pas une boucle, justement. Bah, je sais qu'il y a deux symboles qui sont opposés. Donc c'est forcément les signes de vague. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Peut-être que j'appuie là-dessus. Parce que... Non. Est-ce qu'elles apparaissaient dans un coin précis, en fait, sur les photos? Ah oui! Ah oui, effectivement! Alors, attendez. Ouais, il y a... Alors, en fait, faut se repérer à l'espèce de signe YouTube qui est au milieu. Je suis désolé, mais je vois que ça. Alors, il est dans quel sens? Voilà. Là, il est... Donc on va dire qu'il part vers la droite. Pourquoi j'ai ouvert internet? Il part vers la droite. Bon, attendez, il se met comme ça. Voilà, comme ça. Non? En fait? Mais c'est quoi ce délire?
Parce que là, on dirait que c'est un... C'est pas un signe... C'est un losange, on est d'accord. Il est... Bon, bah, c'est peut-être que c'est comme ça, alors. Ouais, ça doit être comme ça. Bon, voilà, comme ça, à gauche. Pouic, voilà. On va dire que c'est ça. Donc, là, ce serait le rond, barré. Voilà, comme ça. Là, ce serait le rond barré. Là-bas, ce serait des vagues. Ici. C'est bon. Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui vient de se passer. Ah, d'accord. Merci pour le don. J'avais pas vu, je suis désolé. On remercie. Pardon, mais j'étais en plein dans mon énigme. Je suis désolé. C'est Diana, c'est ça? Merci à toi, Diana. 826$, Montréal-Lyon. 8h50 de vol. Ouais, c'est un peu beaucoup quand même. Je te l'ai dit, tu viges de moi. Mais j'étais dans mon énigme, quoi. Céline, t'as fait un ton, je te signale. Ah, j'ai pas vu, désolé. Pardon. Pardon. Non, c'est moi. Des bisous, Céline. Pardon. Mais non, mais il faut vraiment que je règle un truc. Mais ce salaud, mais je te le mets, pardon. Mais non, mais on parle à ce moment-là de vol Montréal, tout ça, moi j'ai cru, quoi. Mais quel con. Merci à toi, Céline, c'est gentil. Bon, merci, j'ai réussi mon énigme. Je sais pas ce que j'ai fait, par contre. Oui, voilà. Quel con. Ouais, il y a de la progression dans le jeu, sinon. Ah, je me sens mal. Moi aussi. Merci à toi, Céline, c'est gentil. Va falloir que j'apprenne un petit peu à gérer tout ça, quoi. Il a cru. Non, mais oui, non, mais... Oh non, mais il est pas possible. Mais c'est pour ça que vous m'aimez, en fait. Parce que je suis moi. Oh, ça pue quand même, ici. Ça craint le combat, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer, là? Quelle heure il est, au fait? Punaise. Je viens enfin de décanter la situation et c'est presque la fin du live. Et c'est quoi qu'il y a là-bas? Oh, c'est une potion de mana, ça. Ouais, potion de mana, putain, mais je m'en fous. Donnez-moi une potion d'invincibilité. Non, d'invincibilité. Ça, c'est... Une potion de mana aussi. Potion de vie. Oh, potion de vie, je prends. Voilà. Ah, oui, ça fait du bien. Il m'a dit de la vierge. Faites quelque chose de lui. Tu pourras t'acheter un paquet de frites. Merci, Céline. Ouais, je vous ai manqué. Tu nous as manqué. Mes coups d'oreille à toi. Non, moi, c'est demain que je fais. Ah, non, vous me gênez. C'est la première fois, hein, vous savez. Il y a Geeky Pie qui un jour m'avait fait un don, mais hors live. Et donc, il me l'avait dit. Il l'avait dit à part. Qu'est-ce qui se passe? Oh punaise, ça fait de la musique, c'est ça? C'est quoi cette énigme encore, punaise? Hein? Il fait rien, lui? Jean-Michel Jarre, en concert dans Omicron. Et là, il y a David Bowie qui va venir, il va chanter. Céline qui a vidé sa tirelire. Bien, eh ben je sais pas quoi faire. J'avais rien, hein. J'avais pas de documentation, rien du tout. Livre de poèmes, non, ça c'est autre chose. Table des... Ouais, non.
Énorme mission. La seule indication qui est donnée concerne le troisième œil droit du dieu. On dit qu'il se serait encore au fond du puits. Ouais, ça j'y suis. Il faut aller à son bon moment et en le ramener à la vie. C'est lui qui indiquera l'entrée d'un nain. Son tombeau se trouve au vrai. Il faut réunir trois joyaux. Les joyaux de machin. J'ai pas la moindre foutue idée de ce que je dois faire. J'ai trouvé quoi là? J'ai trouvé une potion de vie et. Et de la mana, ça peut pas m'être utile. Si je devais vider ma tirelire, ce serait pas fini. Mais non, après, t'aurais plus de sous pour t'acheter tes peluches. Bon, je pense que je vais y aller, c'est pas facile de jouer et de regarder le live. Très bien, Carreux. Bonne partie de CSGO, c'est ça? Et bien, à bientôt, des bisous. Comment on fait? C'est par PayPal? Ouais, c'est fait par PayPal. J'ai faim, OMG. C'est joli, tiens, là, pourquoi? Un remerciement 30 ans plus tard. Culpabilise, là. Ouais, comment elle... Ah, mais... Comment elle remue le couteau dans la plaie? Non, mais... C'est comme les cartes, quand on l'envoie à Noël. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Ah, je peux plus bouger, j'ai trouvé un truc, je crois. Ah non, c'est juste que quand j'active ça, je peux plus bouger. Bon. Oh, je vous aime beaucoup, mais je dois vous abandonner. Pour Vaga, sorry, love, love à toi, mes coons, à bientôt. Bon, je déco, de visite vient gâcher le moment. Bonne continuation, bye, bye, bonne soirée. Bye, Diana. Bah oui, c'est vrai que cette chose, c'est l'après-midi. Chez nous, de la visite à ce moment-là, ça fait bizarre. Forcément. Bonne fin d'après-midi. C'est ça. Et à bientôt. Et non, mais... Alors, là, il y a une lumière. Donc, en fait, c'est ça. Faut que je trouve les lumières. Là, ça doit être le premier, c'est ça. Poc. Voilà. Lui. Voilà, deux. Lui. Trois. Oh, mon dieu. Eh, ça doit être lui là-bas. En fait, il faut croiser. Je me suis gouré. Ah, je peux plus bouger. Alors, ok, mais c'est pas grave. Lui. Je n'ai aucune raison de faire ça. Bah pourquoi? J'ai accompli l'énigme, ça y est. Mais d'où j'ai pas de raison, mais... Ah! Hein? Mais pourquoi ça le fait plus? Ah, voilà! Ensuite. Celui-là. Non. Celui-là. Je tiens celui-là au fond, là-bas. Ça doit être lui, là. Non, même pas. Lui. Ça? Oui! Je dis celui-là. Oh! En fait, je comprends pas trop à quoi sert le bouton du milieu. Parce que. Comme ça. Comme ça. Voilà, et le dernier, c'est celui-là. Ouais! Comme ça. Allez, bim! J'ai l'habitude avec Bama. Mais c'est pour ça qu'elle m'aime bien, Céline. Rush Sherlock Fangirl, t'as gagné quoi? Un magnifique moment de remerciement de ma part. Le remerciement fail de Bama. C'est, voilà, c'est quand on te fait des dons que tu remercies la mauvaise personne. Et pour te répondre, Véronica, Vaga, c'est Vagabond, c'est un streamer. Que Amekun et Vitaloun connaissent bien, d'ailleurs je suppose que Vitaloun y est en ce moment. T'as cassé les lignes. Je suis tellement habitué. Alors, je vais... Celui-là je peux... Non, c'est pas celui-là. C'est de nouveau lui. Ah, c'est encore lui. Oh merde, j'ai peut-être fail, en fait. Ah non. Mais je vais devoir faire ça combien de temps? Ok. Voilà.
Mais en fait, peut-être qu'il faut pas que j'active le truc au milieu, finalement. Ouais, le truc au milieu, en fait... c'est ça. Le truc au milieu répète la mélodie que je viens de faire. Donc peut-être que comme j'ai appuyé sur trop de trucs, ça n'a pas marché. Mais du coup, ça me fait 4 notes. Alors si ça se trouve, il en faut plus. Il y a peut-être des notes qui se répètent. Voilà. On va essayer, on va voir ce que ça donne. T'as la magnifique musique, quoi. Menu après un nouveau corps, il s'est fait plaisir. Ça change de la dame chauve et du mec au cul bizarre. Ah, je vous avoue quand même. Là, le cul est mieux. Voilà. Il y a combien de boutons? De quoi il y a combien de boutons? Sur mon front. Pour savoir combien de possibilités. Il y en a 4. Et un cinquième au milieu qui, je sais pas à quoi il sert. En fait, c'est pas il y a combien de boutons qui m'intéresse. C'est combien il y a de notes. Combien je dois... Donc, alors, je vais continuer. Peut-être qu'il y a une logique là-dedans. Donc voilà, j'ai activé ça. Alors peut-être qu'après, il faut que je revienne vers un autre. Voilà, bim, fail. Putain, la cacophonie, quoi. Non, alors je vais essayer celui-là. Non. Je comprends pas cette énigme. Celui-là. Ah oui, c'est bien ça. Eh, mais comment je suis censé savoir combien il y a de notes? Bon, je vais essayer à 5 notes. Je sais que t'en as envie, je le sens, le besoin de tricher monte. Reviens des côtés obscurs de la force. Non, j'avoue, ça va. Je m'amuse à faire de la musique, je suis content. J'ai l'impression de revenir au premier âge. Eh, mais y a pas un, genre un indice là dans les signes et tout? Comment je suis censé savoir combien de notes il faut? Ben, le jeu nous le dit pas, c'est une blague. Voilà. Le prochain, je sais rien, moi. Lui. Et non. Poc. Peut-être que je dois faire en fait une boucle. Et fail! Du coup, il fallait appuyer les 4 seulement une fois dans un ordre bien précis. Bah, c'est ce que je pensais au début. Du coup, j'avais activé les 4 et bah, ça fonctionne pas. Par contre. Voilà, quand je continue d'activer les boutons, ça marche. Donc, bah non, il faut continuer. Et là, vraisemblablement, c'est celui-là. Non? Ah bon? Mais... Ah oui, non, c'est vrai. Did you menu in the place? Le bouton du milieu, ouais, c'est ça le bouton du milieu, c'est. En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est un bouton play de YouTube hein, qu'on a vu tout à l'heure. C'est le bouton du milieu, c'est un bouton play. Mais ce que le jeu dit pas, c'est combien de notes il faut mettre. Donc, là, comme ça. Là, voilà. Après, bon, j'ai essayé ce bouton là-bas, ça marche pas. Celui là-bas au fond, ça marche pas. C'est ça? Ah! Je peux plus bouger! Oh mon dieu, il se passe des choses! Eh, c'est chiant comme jeu.
J'ai jamais joué à un jeu avec lui. Et ben voilà! Ah, il va me filer le joyau là, c'est ça? Quoi? Mais non, mais si, mais. Ben, je n'ai aucune. Ben, si, ça m'intéresse. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça encore? 1. C'est quoi? Attendez, il y a peut-être une mélodie à faire. Je vais voir les signes au sol. Non? Non, c'est tous les mêmes en fait. What? Putain, c'est quoi ça? Alors, 1, 2, 3. Hein? Je sais pas quoi faire avec ça. Bah, moi non plus, on est deux. Il n'y a rien de particulier. Intéressant. 1, 2, 3. 2, 2, 3. C'est des notes? Tu veux manger les chats de Manu avec toi? Non, s'il vous plaît. On laisse mes chats tranquilles. Alors, il y a quoi? Bon, manifestement, ça, c'est des notes, non? Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, ouais. Dans quel ordre je dois les faire? Y a un truc pour grimper? Non. Mais ce qui m'étonne, c'est que on me dit d'appuyer sur des touches précises, alors que comment je sais moi ça correspond à quel bouton? Ah mais non, c'est même pas ça, parce que je peux plus appuyer dessus. What? Je dois... Ouais. Non, non, je peux plus rien faire. Ouais, mais... Je dois faire quoi? Ouh! Eh! Rien de particulier, je peux pas grimper là-dessus? Je prends le plus gros. Le laisse mon Kenzo, Google. Manu, Google est ton ami. Ouais, la Solus est mon ami surtout. Allez, Solus de Nomad Soul. Tiens, comme ça, je vais savoir combien de temps je dois encore jouer à cette daube. Nomad Soul. Voilà. Tant que ça souffle, tout ça. Alors, le temple. Je sais même pas où j'en suis, quoi. Bose. Le masque le traître. Non, ça c'est fait. La base des éveillés. Ah, les glites! Le puits, puis mettez-vous, les dalles chantelles, enfin de la glace. Voilà, ça j'ai. Le puits. Oh mon dieu, vous savez quoi? Il est bientôt. Le jeu est bientôt terminé. Le puits. Regardez le mail, il dit. Alors, vous arriverez dans une salle où vous apercevez quatre plots entourés d'un plot central. En vous approchant, vous entendrez des mélodies. J'ai actionné les plots de la manière suivante. Oui, oui. Cela fait, vous devrez effectuer une autre mélodie. Mais je veux plus activer les boutons. Mais je fais comment? What? Putain, je ne vois pas quoi faire avec... Mais... J'ai cassé le jeu? Mais non, je peux pas faire d'autres mélodies, c'est pas possible, y'a rien. Maintenant, courez et sautez sur l'élévateur. Il avancerait droit devant vous. C'est peut-être... En fait, j'ai peut-être bousillé l'énigme, mais... Je peux pas aller là-dessus, sérieux? Mais non, elle bug. Non, je crois que c'est pas ça. Mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, il y a peut-être... C'est peut-être là l'élévateur, faut s'accrocher. Non. Là, faut le prendre de l'intérieur. Non, non. Bah non, non, c'est pas ça. Eh, mais non, mais c'est quoi ce délire? Oh, oh. Eh, quoi? En vous approchant, vous entendrez des mélodies. Placez-vous au plot central, puis actionnez les plots de la manière suivante. Nord, ouest, nord-est,
sud-est et nord-est. Cela fait, vous devrez effectuer une autre mélodie. Faites nord. Maintenant, courir, sauter sur l'élévateur, puis avancer droit devant. J'ai bugué le jeu. Bug, j'ai l'impression. C'est très lent, c'est ça, Sherlock. Qu'est-ce qu'il a encore dit? T'as raison, le côté obscur de la force. Je suis ta mère et ta femme par la même occasion. Oui, mais oui, voilà. J'ai appris que c'est... On s'est mariés avant de ça, que je sache que c'était ma mère, c'est pour ça. Et voilà, il a cassé le jeu. Pardon, j'ai pas fait exprès. On ne doit pas finir ce jeu. Ouais, peut-être que le jeu n'est pas terminé. Enfin, n'est pas destiné à être terminé par nous, les humains. Eh ? Mais non, mais... En fait... Mais... Hein ? Eh non, mais il y a un problème. Alors, je vais essayer de revenir en arrière. Oh, excusez-moi, j'ai écouté le live à moitié. Bah écoute, c'est toujours une moitié de Tally Nation. C'est juste une Tally. Voilà, je vais remonter. Ascenseur du futur. On se demande comment ça fonctionne, vu que c'est des technologies assez primaires, finalement. Voilà, je reviens. Oh, on a vu la culotte au passage. Putain, j'arrive et ce jeu, vraiment, il bug. C'est vraiment de la merde. Eh, mais non, mais... Bah, je vais arrêter le live là. Je vais arrêter le live ici, et puis je recommencerai la prochaine fois. Voilà, bon. Coucou! Oui, je suis parti! Vous allez bien? On voit pas quoi faire avec ça. Mais... Ih! Oh! Eh non, peut-être qu'il faut que j'arrive à monter là-dessus. C'est bugué en fait. Alors, enfin, oui, non, c'est bugué, c'est sûr. Il y a un truc qui va pas. Eh, mais non, je glisse. Alors, ça, visiblement, c'est un élévateur. Parce que je dois aller dans le. Je dois aller dans le trou-trou. Et peut-être qu'il faut que je me mette bien en face. Et que j'appuie. Non. Non, si. Non. 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 Eh, vous avez vu, elle a toujours le cri du mec, hein, au passage. Sa voix, elle change pas. Ce qui fait qu'elle a toujours le cri de. Du personnage, du premier personnage, le rouquin, hein. Eh mais, c'est une blague. Mais jeu de merde quoi, j'aurais pu attendre 2 heures en essayant de me dire que j'avais pas trouvé l'énigme. Et non, ça veut pas. La plateforme veut pas. En fait, normalement, faut faire deux musiques. Pour accéder en haut. Moi j'en ai fait qu'une et ça a direct descendu la plateforme. C'est pas normal. Voilà. Tu n'arrêtes pas à la fin, Manu, finis d'abord. Mais justement, c'est la fin du live. Bon, bah... je vais devoir recommencer l'épreuve de merde que j'ai fait, putain. Oh, pour nous avancer, quand même, je vais faire l'épreuve avec le logo YouTube. Production française, je vous promets que je vais faire un... Ouais, je vais faire une vidéo des bugs de jeu, je vais faire un condensé. J'en suis à combien, là? Je crois que c'est le quatrième. C'est le quatrième bug. Je suis très fier de ce jeu. Oui, bah, voilà, donc je vous explique normalement voilà, ce que nous dit le jeu. Il nous dit... voilà, vous arriverez dans cette salle-là, en fait. Puis actionnez les plots de la manière suivante. Donc sud-ouest, nord-est, sud-est et nord-est. Vous êtes d'accord que là, il y avait donc 4 plots à activer. Seulement, moi... le premier truc que j'ai fait, j'en ai activé 6. J'ai activé les bons. Et du coup, j'ai bugué. J'ai bugué le jeu. Sinon, tu dis que le jeu est fini, voilà. Ouais, je vais mettre une vieille animation où il y aura le boss de fin. Je vais créer un vieux boss en dessin. Voilà, je vais demander à Mademoiselle Letiz de me le dessiner. On va le voir mourir. Je vais faire moi-même les dialogues. C'est « Ah mon Dieu, tu m'as vaincu !» Et il va mourir, et puis voilà. T'as épousé ta mère ? Bah quoi? C'est bien quand ça reste dans la famille. Je propose qu'on fasse tous un regard accusateur sur l'écran pour que Manu culpabilise. Ouais non mais ça va, de toute façon je me sois pas... C'est de la faute du jeu, c'est pas ma faute. Tu t'arrêtes pas à la fin. Production française. C'est sûr qu'avec tous les bugs que tu as eu, le temps que... Ça fait facile un ou deux lives. Bah c'est fou quoi. T'arrives même pas à tricher quel loser. Ah mais vas-y, mais ce manque de respect c'est incroyable. Eh mais... C'est sérieux? En fait, là, ce qu'on voit ici,
sur la stèle, il s'agit des 6 notes que j'aurais dû mettre normalement à la fin. mais le jeu, il est pourri, quoi. Je veux dire, le jeu, il a pas prévu que tu puisses, du premier coup, genre parce que tu connais déjà le jeu, voilà, faire la mélodie. Enfin, la mélodie, entre guillemets, hein, parce que cette daube qu'on nous fait écouter, ouais, enfin voilà, quoi. Putain! J'aime tes cheveux. Bonsoir, Vitaloun. Par eux.